Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli gilet au crochet. Il est vraiment très très simple à faire, assez rapide, comme d'habitude adaptable à tout âge, toute corpulence, sans aucun problème. Donc là on voit l'avant et ici vue de l'arrière. Là, comme je vais vous expliquer durant le tuto pour cette pointe, vous pouvez la faire descendre beaucoup plus bas, c'est ça si vous préférez, ou la laisser à ce niveau, la faire encore plus courte. Je vais vous expliquer justement comment faire en sorte, si comme moi vous voulez juste qu'elle s'arrête au bas des fesses, ou si vous préférez qu'elle continue à descendre, tout en sachant qu'on continue à travailler le gilet de l'autre côté. Pour réaliser ce modèle, j'ai eu besoin exactement de 350 g de laine, la laine que je vais vous montrer dans la prise suivante. Pour réaliser ce très joli gilet au crochet, qui sera adaptable à tout âge et toute corpulence. Moi, personnellement, je vais prendre cette grosse laine qui a déjà un joli dégradé de couleur. Ils disent de travailler jusqu'à crochet 3,5. Personnellement, je vais prendre le 5. Pas que mon gilet soit trop lourd, que mes mailles, que mes brides soient légères. Donc, comme d'habitude, vous prenez ce qui vous plaît et on peut commencer. Alors, on va déjà commencer par faire le nœud de base. On positionne son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Et avec le crochet, on va chercher notre fil, on tire dessus. Donc on a fait notre nœud de base. Là, on va faire 6 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On revient dans la première maille de départ et on va fermer avec une maille coulée. On a fait un tout petit cercle. On va travailler à l'intérieur de ce petit cercle. On va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Un jeté, on va revenir dans le centre. Et ici, on va faire 2 brides de plus. Une. Deux. Donc, on a un premier groupe de 3 brides. On va faire 2 mailles de séparation, un jeté dans le même cercle, on remet un groupe de 3 brides. Une. En même temps, je coince mon fil de départ. Ensuite, j'aurai plus qu'à le couper. Deux. Trois. Deux mailles de séparation, donc on a 2 groupes de 3 brides. Au total, on va faire 5 groupes de 3 brides. Donc les 2 mailles de séparation, toujours dans le même espace, on refait un nouveau groupe de 3 brides. Une. Deux. Trois. 2 mailles de séparation. Donc on a 1, 2, 3 groupes. On va faire le quatrième. Donc de nouveau 3 brides. Une, deux, trois, deux mailles de séparation, on tire un petit peu, on retourne dans le même espace et on fait donc notre cinquième groupe de 3 brides. Une, deux. 3. Donc je vérifie quand même 1, 2, 3, 4, 5. On fait les 2 mailles de séparation et ici on va aller dans la première bride. On va compter 1, 2, 3. Dans la troisième maille de la première bride, on ferme avec une maille coulée. Donc notre premier tour est terminé. Deuxième tour. Alors si vous désirez changer de couleur, faites-le dans un angle ici parce qu'on va avancer jusqu'à un angle. Pour celles qui continuent avec la même couleur, on va aller dans la maille suivante. On va avancer avec une maille coulée. Dans la suivante, on avance avec une maille coulée. Et justement, dans l'espace ici, on va faire une maille coulée. Là, maintenant, on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride. Un jeté. On revient dans le même espace et on fait 2 brides de plus pour avoir un groupe de 3 brides. Donc là, on a notre groupe de 3 brides, on tire un peu.
on va faire 2 mailles de séparation, un jeté. On revient dans le même espace et on refait un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. 3 brides, 2 mailles de séparation, 3 brides. Maintenant, on fait une maille de séparation, un jeté. On va dans l'espace suivant, donc on passe le premier groupe de brides, on va dans l'espace. Et là, on refait exactement la même chose. 3 groupes, un groupe de 3 brides. Donc un premier groupe de 3 brides. 2 mailles de séparation. On tire un peu. Dans le même espace, on refait un groupe de 3 brides. 2. 3. De nouveau, une maille de séparation. Espace suivant, on va faire exactement la même chose. Un premier groupe de 3 brides. 2. 3. 2 mailles de séparation. Toujours dans le même espace, un deuxième groupe de 3 brides. 1. 2. 3. Une maille de séparation. Et vous allez répéter la même chose dans les autres espaces qui vous restent. Ce qu'on vient de faire là, c'est ce que vous allez faire sur les autres. Toujours la maille de séparation entre chaque groupe. Dans l'espace, vous allez faire les 3 brides, les 2 mailles de séparation et de nouveau les 3 brides. Quand vous avez répété la même chose sur tout votre tour, à la fin, on va faire la maille de séparation. On va aller dans la première bride, on va compter 1, 2, 3. Dans la troisième maille de la première bride, on va fermer avec une maille coulée. De nouveau, on va avancer comme à chaque début de tour, en maille coulée jusqu'au premier espace. Donc, vous allez dans la maille suivante, vous avancez avec une maille coulée. Dans la suivante, avec une maille coulée. Et dans le centre, avec une maille coulée. C'est pour ça que je vous dis, vous voulez changer de couleur, faites-le dans un angle, parce qu'on va avoir 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. C'est plus simple pour ne pas se perdre. Alors maintenant, dans chaque angle, on va répéter les angles. Et entre chaque, donc ici on a un premier angle, on va répéter l'angle. Les 3 brides, les 2 mailles de séparation et les 3 brides. Le prochain angle se trouve là. Entre chaque, là, on a un espace. Le tour d'après, on en aura 2. À chaque fois, on aura un espace de plus. Ou dans les espaces, on ne fera que des groupes de 3 brides. Je vais vous montrer. Quand on est donc bien dans notre espace, on va faire les 3 mailles en l'air qui vont faire notre première bride. Un jeté, on revient dans le même espace et on fait 2 brides de plus pour avoir le premier groupe de 3 brides. On va faire les 2 mailles de séparation, on tire un peu dans le même espace, donc dans l'angle, on répète l'angle. On remet les 3 brides. Ensuite, on va faire une maille de séparation, un jeté. On ne va pas aller dans l'autre angle directement, on va aller dans l'espace qui sépare. Et là, on va simplement faire un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Une maille de séparation. Là, dans l'angle, maintenant, on va répéter l'angle. Le premier groupe de 3 brides. 2. Les 2 mailles de séparation et dans le même espace on remet donc les 3 brides. De nouveau une maille de séparation dans l'espace qu'on a devant qui sépare les angles, on va faire un groupe de 3 brides tout simplement. 1, 2, 3. Une maille de séparation. Dans l'angle, on va répéter l'angle. Les 3 brides. 2 mailles de séparation. Et dans le même espace, les 3 brides à nouveau.
De nouveau, une maille de séparation. Dans l'espace suivant avant l'angle, on va simplement faire un groupe de 3 brides. Une maille de séparation. Et dans l'angle, vous allez répéter les angles. Vous allez simplement suivre ce même procédé jusqu'à la fin. Ici, on avait un espace. Maintenant, au prochain tour, on va en avoir 2. Celui d'après, on va en avoir 3 et ainsi de suite pour que le travail grandisse tranquillement. Quand vous avez donc terminé tout votre tour de la même façon, à chaque fois, vous allez finir les tours de la même façon. On fait la maille de séparation. On va dans la première bride, on compte 1, 2, 3. On ferme avec une maille coulée dans la troisième maille. Pour chaque début de tour, vous allez avancer avec des mailles coulées jusqu'au centre. Donc, vous allez dans la maille suivante avec une maille coulée. Dans la suivante avec une maille coulée. Et dans le centre avec une maille coulée. Tous les tours se terminent et se reprennent exactement de la même façon. Là, on va refaire les 3 mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride. Comme on est dans un angle, on va répéter l'angle. Ça veut dire qu'on va rajouter 2 brides de plus pour avoir notre groupe de 3. On va faire nos 2 mailles de séparation. On tire un petit peu. Et dans le même espace, on remet le deuxième groupe de 3 brides. 2. 3. La maille de séparation. Comme je vous disais, à chaque nouveau tour, on aura un espace de plus entre chaque angle. On en avait un avant, là on en a 2. Donc après la maille de séparation, vous allez dans le premier espace de libre. Et là, vous allez simplement faire un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Une maille de séparation, un jeté dans le prochain espace. On va faire de nouveau un groupe de 3 brides. 2, 3. Une maille de séparation et dans l'angle, on va simplement répéter l'angle. Donc un premier groupe de 3 brides. 2, 3 brides. Les 2 mailles de séparation. Dans le même espace, on remet un nouveau groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Donc avant, on avait 2 espaces entre chaque angle. Là, ici, on va en avoir déjà 1, 2, 3. Donc une maille de séparation. Dans le prochain espace que nous avons, on va faire un groupe de 3. 1 maille de séparation. Dans le prochain espace, un groupe de 3 à nouveau. 1 maille de séparation. Dans l'angle, on va répéter l'angle avec les 3 brides. Les 2 mailles de séparation. Et dans le même espace, de nouveau, les 3 brides. 1 maille de séparation. Et vous allez simplement donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc quand vous avez à nouveau fait tout le tour de la même façon, je vais vous montrer une dernière fois comment terminer, une dernière fois comment reprendre. Parce qu'on vient de faire là, ça va être exactement la même chose, le nombre de tours que vous désirez en fonction de la largeur que vous désirez obtenir. Donc pour terminer, vous allez faire la maille de séparation. Vous allez compter 1, 2, 3 dans la troisième maille de la première bride. Vous fermez avec la maille coulée. On va avancer en maille coulée jusqu'au centre. Donc on va dans la maille suivante, on fait une maille coulée. On va dans la suivante, on fait une maille coulée. On va dans le centre, on fait une maille coulée. Pour celles qui veulent faire genre mandala, changer de couleur, c'est plus simple. Enfin, vous pouvez changer de couleur où vous désirez, mais c'est plus simple de changer de couleur dans un angle. Comme ça, vous allez toujours terminer dans l'angle. Ensuite, on va faire les 3 mailles en l'air qui vont faire notre première bride. Comme on est dans un angle, on va répéter l'angle. Donc, on revient dans le même espace. On rajoute
2 brides de plus pour obtenir notre premier groupe de 3. Les deux mailles de séparation, on tire un peu. Dans le même espace, on rajoute 3 brides. 1, 2, 3. À chaque fois, à chaque nouveau tour, on va rajouter un espace de plus. Donc entre les espaces, on va faire une maille de séparation à jeter. Dans chaque espace de libre, on va simplement faire un groupe de 3 brides. 2, 3, une maille de séparation. Espace suivant, de nouveau un groupe de 3. Une maille de séparation, espace suivant, de nouveau, un groupe de 3 brides. Une maille de séparation. Quand on arrive dans les angles, on va simplement répéter les angles. Les 3 brides, les 2 mailles de séparation, et dans le même espace, les 3 brides à nouveau. 1, 2, 3, une maille de séparation, dans l'espace suivant, un groupe de 3, 1, 2, 3, la maille de séparation, dans l'espace suivant, un groupe de 3, et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour, et vous allez reprendre exactement de la même façon. Vous allez simplement répéter tout ce qu'on a fait maintenant, le nombre de tours que vous désirez en fonction de la taille que vous voulez obtenir. Alors vous allez continuer le même procédé jusqu'à que ces deux pointes, donc ici on n'arrive pas très bien peut-être à vous montrer, donc ici un des angles où on a commencé avec l'angle de l'autre côté, jusqu'à ce que ces deux angles-là, vous puissiez, quand vous le posez sur vous, sur la personne concernée, face d'épaule à épaule. Il faut que ces deux parties-là, ces deux angles-là, fassent d'épaule à épaule. Quand vous avez donc les deux angles qui font épaule à épaule, vous êtes à la bonne taille. Si vous voulez un petit peu plus large, je peux faire encore un tour de plus. Donc là, d'épaule à épaule. Quand vous les avez sur les épaules, vous allez également déterminer l'ouverture des manches. Donc là, quand vous l'avez posé sur vous, ici, vous allez donc compter quand il est posé, l'ouverture qu'il vous faut est faire un petit repère à l'endroit où vous estimez que c'est la bonne ouverture. Vous allez le faire d'un côté et le faire également de l'autre. Donc moi ici, j'ai déjà fait un petit repère, donc sur mes propres mesures. Donc là, on est à l'angle où on commence. J'ai compté tout ça pour moi, donc. J'aime bien quand c'est des grosses ouvertures, j'aime être à l'aise dedans. Donc maintenant, on va reprendre notre travail. On va faire comme on l'a fait jusqu'à présent. On va avancer en maille coulée jusqu'au premier angle. Rien de nouveau. Dans le premier angle, on va répéter l'angle. Donc les 3 brides, les 2 mailles de séparation et dans le même espace les 3 brides. 1, 2, 3. Maintenant, c'est là où on va devoir compter, donc chacune aura certainement ses chiffres. On va devoir faire un nombre de mailles chaînettes qui démarrent d'ici jusque là. Et pour ça, on va compter les brides et les mailles de séparation que nous avons. Donc ici, on sait qu'on a 3 brides, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Donc moi, personnellement, je vais devoir faire 27 mailles chaînettes. Je reprends mon travail, et donc là je vais faire mes 27 mailles chaînettes qui correspondent à mes mesures à moi. Je vous laisse faire vos comptes, faire le nombre de mailles chaînettes, on se retrouve après. Alors quand vous avez le nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures à vous,
Donc je vais ici dans mon repère, dans mon espace où j'avais mis le repère. Et là, je vais simplement reprendre ce qu'on a déjà fait. Donc ici, je vais faire un groupe de 3 brides. Une. Deux. Trois. Je vais faire la maille de séparation et je vais continuer ce qu'on a fait jusqu'à présent, rien d'autre. Je vais simplement répéter tout ce qu'on a déjà fait jusqu'à ce que j'arrive de l'autre côté. Je vais vous montrer directement. Donc ici, de ce côté-là, je viens de faire le premier côté des manches, pour la manche. Donc de l'autre côté, ici, face à face, j'arrive pas à bien vous montrer. Donc je suis là, de ce côté-là. On va faire le même procédé qu'on a fait jusqu'à maintenant, jusqu'ici. Et là, vous allez de nouveau prendre les mêmes repères qu'on avait fait de ce côté-là, faire le même nombre de mailles chaînettes et continuer donc de ce côté-là. Après, ce que j'essaye de vous dire, donc ce qu'on a fait de ce côté-là, on a continué ensuite tout simplement à travailler de la même façon, donc y compris sur la pointe en bas. Arrivé à l'opposé, on va faire la même chose. Donc bien faire attention aux mesures, qu'on laisse bien le même nombre d'espace entre chaque, refaire le même nombre de mailles chaînettes de séparation et aller s'accrocher donc dans l'angle où on va recommencer l'angle et terminer notre tour normalement. Tout simplement. Donc après avoir terminé le tour, ici j'ai repris simplement angle sur angle et je me retrouve devant les mailles de séparation pour les manches, pour l'ouverture plutôt. Donc ici à ce stade, après avoir fait donc l'angle, on va faire la maille de séparation, un jeté. Sur les chaînes de base, on va passer les deux premières. Donc on compte une, deux, on va dans la troisième et là on va faire une première bride. Un jeté, dans la maille suivante, on fait une deuxième bride. Un jeté, dans la suivante, une troisième. Donc on a fait un groupe de trois. Une maille de séparation. On passe une maille de base. On va dans la deuxième et on recommence. Un groupe de trois. Une. Dans la maille suivante, la deuxième. Dans la maille suivante, la troisième. Pardon. Une maille de séparation, on passe la première maille de base, on va dans la deuxième, on recommence de nouveau un groupe de trois, une, deux, trois, une maille de séparation, on passe une, on va dans la deux, une, dans la suivante, on fait la 2. Dans la suivante, on fait la 3. Une maille de séparation. On passe une, on va dans la 2. Une première bride. Une deuxième. Une troisième. Vous allez répéter ce même procédé sur toutes les mailles de séparation que vous avez. Donc, quand vous avez répété le même procédé, pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur, c'est pas évident à vous montrer, parce que là, c'est un peu compliqué. Ouais, comme si... Ah oui, là, c'est parfait. Si j'avais travaillé ici sur ce rang, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaces. 6 espaces, ce qui équivaut à 6 groupes de 3 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le compte y est. Quand vous avez fait donc le nombre exact, vous allez faire une maille de séparation. Un jeté. Vous allez donc maintenant passer, là on va reprendre le travail normal, aller directement dans l'espace où vous allez reprendre simplement des groupes de 3. Une, deux, trois, une maille de séparation. Donc là vous allez simplement continuer à travailler de la même façon qu'on l'a fait jusqu'à présent. Et ce qu'on vient de faire sur les mailles de séparation d'un côté, vous allez le reproduire à l'identique de l'autre côté. Alors, je vous laisse terminer. Là, vous avez simplement continué à travailler normalement. Quand vous êtes arrivé de nouveau ici, de ce côté-là, ce qu'on vient de faire de l'autre côté, vous allez reproduire la même chose de ce côté-là. Ensuite, vous allez donc répéter angle sur angle, continuer à travailler normalement jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau
au point de départ. Donc là, je vous montre à nouveau à quoi ça ressemble quand on a fait le deuxième côté identique au premier. Donc là, j'ai fait le deuxième côté et j'ai terminé mon tour comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc à partir de maintenant, vous allez tout simplement répéter tout ce qu'on a fait au tout début. Donc angle dans les angles, les trois brides, les deux mailles de séparation, les trois brides, une maille de séparation dans chaque espace, un groupe de trois brides et ainsi de suite. Donc ça, vous allez le faire sur un nombre de tours que vous désirez. Ce gilet, on peut dire inconvénient ou pas en fonction de ce qu'on aime ou pas, c'est que la pointe ici, qui va se trouver dans le dos, va également continuer à descendre, ce qui est assez logique. Donc au bout d'un moment, peut-être que si vous voulez un grand gilet, cette pointe-là risque vraiment d'être trop basse pour vous. Donc ce que je vous conseille à partir de maintenant, c'est de faire un nombre de tours que vous désirez, de vérifier ensuite sur vous, la personne concernée, où arrive la pointe ici. Si pour vous la pointe ici est au bon endroit, plus bas que les fesses, vers les genoux, je ne sais pas, comme bon vous semble, à ce moment-là, la seule chose qu'on va faire ensuite, c'est faire un peu plus de tours, surtout du côté des manches et du col. Donc ensuite, on va travailler sur un, deux, sur trois côtés. On va laisser ici la pointe sans y toucher. Donc maintenant, c'est vraiment à vous de voir. Si vous voulez que la pointe continue à descendre, il n'y a pas de souci, faites le nombre de tours que vous désirez. Si vous voulez que la pointe ne soit pas non plus trop basse, faites un nombre de tours désiré jusqu'à ce que la pointe arrive à la hauteur que vous désirez. Et si ensuite vous désirez rajouter des tours sur l'avant, on va simplement rajouter des tours sur trois côtés. Alors je vous laisse maintenant répéter tout ce qu'on a déjà fait. Simplement angle sur angle, les groupes de trois entre chaque espace, le nombre de tours que vous désirez pour avoir la pointe à l'endroit où vous désirez. Alors là je vous montre, moi personnellement j'ai fait encore, donc on avait fait ici le premier tour ensemble, j'ai fait deux tours exactement de la même façon, donc rien qui change. Je l'ai essayé sur moi, justement je trouve que là la pointe à l'arrière arrive au bon endroit. Je ne veux pas qu'elle descende plus, mais après ça va faire trop long et c'est pas... Voilà. Personnellement je vais m'arrêter là. Donc faites le nombre de tours, essayez-la, voir jusqu'où arrive la pointe. Ou simplement, autrement comme je vous ai dit, continuez à faire exactement la même chose, le nombre de tours que vous désirez. La pointe va simplement donc descendre au fur et à mesure. Donc ici, comme je vous disais, j'ai fait deux tours. Je suis arrivée donc ici à la fin. J'ai terminé avec ma maille, avec la maille coulée. J'ai fait une maille en l'air de plus et j'ai coupé mon fil. Donc là, j'ai coupé le fil. Maintenant, c'est difficile pour moi, vu la taille du gilet, de pouvoir vraiment bien vous montrer avec quand je filme. Donc là, on a coupé et on va venir s'accrocher avec la laine ici dans l'angle à côté. Donc on a, je vais essayer de bien vous montrer en hauteur. Ici, l'angle où on a coupé, on a l'angle ici du centre, du bas. On va venir s'accrocher dans l'angle juste là avec notre couleur. Donc, comme je vous disais, je me suis accrochée ici dans l'angle. Dans cet angle, on va donc dans les angles des celui-là et l'autre qui est à l'opposé, on ne va plus faire d'angle. On va rentrer, ramener et on va faire une, deux, trois mailles en l'air qui font notre première bride. Un jeté. Dans le même espace, on rajoute deux brides pour avoir juste un groupe de trois brides, comme ceci. Ensuite, on va faire la maille de séparation. On va aller dans l'espace suivant et on va répéter ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent, rien d'autre. Un groupe de trois brides dans chaque espace. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'angle qui se trouve pour le coup. Donc trois, une maille de séparation, l'autre espace pareil. Alors vous allez remonter de cette façon là, vous allez voir que le principe est exactement le même. La seule chose qui va changer, c'est qu'ici à cet angle là et à l'autre quand on arrivera de l'autre côté, on va simplement faire des groupes de trois brides, rien de plus. Donc là vous allez remonter jusqu'au premier angle on va trouver qui fera partie du col. Les angles des cols, on va les travailler comme des angles normaux comme on a fait jusqu'à présent.
passez un col qui va... Vous êtes arrivé à l'angle. Dans l'angle donc du col, au col on aura deux angles, comme je vous disais. On va faire la maille de séparation, et ici dans ces angles-là, on va simplement répéter la même chose, les angles. Donc les trois brides, les deux mailles de séparation, et dans le même espace de nouveau, les trois brides. On ne va plus travailler en rond, mais on va et vient. Donc une maille de séparation, espace suivant, on continue nos petits groupes de trois brides jusqu'à ce qu'on arrive. Il veut pas. Donc les petits groupes de trois brides comme on a fait jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau au deuxième angle du col. Dans le deuxième angle du col, vous allez répéter l'angle, les trois brides, les deux mailles de séparation, les trois brides. Ensuite, vous allez continuer les petits groupes de trois de ce côté-là, jusqu'à ce qu'on arrive à l'angle, un nouvel angle. Cet angle-là correspond à l'autre de l'autre côté où on ne va plus travailler l'angle. On va simplement faire un groupe de trois brides. On se retrouve à cet endroit-là pour que je vous montre comment terminer, comment reprendre. Comme ça, ensuite, vous n'avez plus qu'à continuer. Donc, vous avez fait tout le tour. Vous avez fait donc tout le côté de la nuque. Du cou, vous êtes redescendu de nouveau. On arrive à l'autre angle qui est parallèle au premier où on a commencé. Donc ici, comme je vous disais, on ne fait plus les angles. On va simplement faire un groupe de trois brides parce qu'on ne va plus travailler sur la partie du bas de la pointe. On va travailler que sur le côté droite, gauche et la nuque. Donc vous faites simplement un groupe de trois brides. Je vous montre une première et une dernière fois comment reprendre, comment reterminer. Parce qu'ensuite, c'est tout ce que vous allez faire du côté avant droit, sur la nuque et du côté gauche de la partie avant. Donc après avoir fait vos trois mailles, vos trois brides, pardon, on va tourner notre travail. Maintenant, on va travailler en va-et-vient. Je vais essayer de mettre ça comme ça, ça patre là. Donc on a tourné notre travail. Pour reprendre, on rentre dans notre première bride, on ramène, on fait une, deux, trois qui comptent comme une bride et une de séparation. Puisqu'on a un groupe de trois brides, on va les commencer dans l'espace. Un jeté, on va dans l'espace. Et là, on va faire un groupe de trois brides. Une maille de séparation dans l'espace, un groupe de trois brides. Là, vous allez faire que répéter tout ce qu'on a déjà fait. Une maille de séparation, un groupe de trois brides et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à l'angle, au premier angle de notre col. Dans l'angle des cols, on va répéter les angles, donc pas besoin que je vous les remontre. Dans les deux angles du col, on va simplement répéter les angles. Ensuite, on va reprendre de nouveau les petits groupes de trois brides pour redescendre. Alors là, je vous laisse continuer ce même procédé qu'on a déjà fait à plusieurs reprises sur tout le long. Dans les angles du col, vous répétez les angles. Ensuite, vous continuez simplement à répéter des groupes de trois dans chaque espace jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre angle, donc de l'autre côté, qui ne sera plus un angle, puisqu'on a fait simplement un groupe de trois brides dedans. Bon, je vous laisse terminer, on se retrouve après. Alors, quand vous avez fait le même procédé jusqu'à l'autre côté, donc à l'angle qu'on ne va plus travailler en tant qu'angle, ici j'ai donc fait mes trois dernières brides dans l'espace, je fais ma maille de séparation. Pour terminer, donc j'ai mes trois brides. Je vais dans la troisième maille de la première bride et je fais une bride. Maintenant, pour reprendre à nouveau la même chose, comme j'ai un espace devant, ça veut dire que je vais commencer avec un groupe de trois brides. Donc pour ça, on va tourner notre travail. Là, on rentre dans notre première maille. On ramène, on fait une, deux, trois qui nous font notre première bride. Ensuite, dans l'espace qui se trouve juste devant, on va faire deux brides de plus pour avoir un groupe de trois brides.
une maille de séparation et espace suivant, groupe de 3 brides. Vous avez compris qu'à partir de maintenant, vous allez faire que répéter ce qu'on vient de faire, ce même procédé. Le nombre de tours que vous désirez, donc des va et vient, on ne travaille plus. Sur la dernière pointe, je vais vous montrer. Là, je vais poser le travail et je vais vous le montrer correctement. Donc là, j'ai posé pour vous montrer. Pour être bien sûr, c'est bien clair, mais je pense être très bon pour tout le monde. Donc maintenant, on va simplement travailler d'une pointe ici, d'un angle qui ne sera plus un angle, puisqu'on finira toujours, on ne fera qu'avec des groupes de 3 brides, jusqu'à l'autre angle de l'autre côté et l'autre pointe. On va simplement travailler donc sur tout le côté avant, tout le col et de nouveau de l'autre côté à l'avant. Cette partie-ci sur le bas, ces deux côtés-là, on ne les touche plus du tout. Vous allez donc, vous voyez que ça commence à prendre une jolie forme. Vous allez simplement répéter donc des va-et-vient sur la droite, sur le col, sur la gauche, et ainsi de suite, le nombre de tours que vous désirez pour que les deux parties ici se touchent au milieu ou même soient un peu plus grandes, si vous voulez plus comment dire, que le gilet retombe un peu plus, en sachant que le col, lui, quand ce sera fini, va être un col qui va retomber joliment comme ça. Donc à partir de maintenant, je vous laisse faire le nombre de tours que vous désirez. Tout simplement, on monte d'un côté, on fait le haut, on redescend, on remonte, on fait le haut, on redescend. Exactement de la même façon. Les angles ici au col, on les répète. Ces deux-là, on va les répéter. Ces deux-là, ce n'est plus des angles. Et ce côté-là, on ne va plus du tout y travailler. Alors, quand vous avez fait le nombre de tours désirés, moi personnellement, au total, j'ai fait 16 tours. Donc, sur l'avant, le col et de l'autre côté. Donc, toujours en oubliant la pointe, en ne travaillant pas la pointe à l'arrière, ça vous donne ce très joli résultat. Bien entendu, vous pouvez faire plus grand encore, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, comme ça, elle me convient très bien. Il ne me reste plus qu'à mettre ici un joli bouton pour pouvoir fermer tout ça. Le col, comme je vous disais, le col est un col assez long. Il est vraiment très sympa et très original. Donc, je vous montre également. Et là, c'est donc vu de derrière. Donc, ma pointe, comme je vous ai dit, je l'ai juste arrêtée vraiment au bas des fesses. Mais comme je vous ai expliqué dans le tuto, vous pouvez la faire beaucoup plus longue. Ça vous donne ce très joli résultat. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu. Et je vous dis à bientôt.